life is just always mysterious and surprising. Monsieur de la Poste vient de sonner et j'ai reçu un énorme paquet de chez Daman. Je sais pas du tout ce que c'est, par contre il est énorme, je sais pas si vous voyez. Et j'ai reçu des colis également. J'ai eu des cadeaux d'anniversaire aussi qui sont là. Et j'ai tous les livres du Salon du Livre à vous présenter. Et regardez mes tournesols, ils ont une semaine, ils sont trop beaux. Pas du tout fatigués. J'ai juste changé l'eau, je les ai même pas recoupés parce que j'ai pas eu le temps. Et je suis trop contente de mon bouquet. Bref, je divague. Il y a mon ordi, il y a mon thé que je suis en train de goûter dans le mug offert par Lysiane et qui infuse avec le thé offert par Géraldine lors du Cozy Mystery Day. Et j'ai mon assistant ici qui surveille tout ça. Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi, je démarre cette vidéo en vous présentant ma lecture du moment qui est une lecture secrète. Donc je lis en ce moment un manuscrit écrit par une autrice que j'apprécie fortement. Je suis sur la fin donc je pourrais pas vraiment vous en parler, mais simplement je peux vous dire que j'adore. Il s'agit d'un cozy mystery et c'est tout ce que je peux vous dire, mais je suis donc bêta lectrice et très 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 honorée de faire partie des bêta lectrices de cette autrice et de lire en avant-première ce cozy mystery. Je trouve que c'est génial et c'est vraiment pas pour lui faire plaisir, mais vraiment je trouve que c'est... Elle a pris le meilleur de beaucoup de cozy mystery que j'adore pour en faire un livre top. Là, je vous donne envie et je peux pas vous en dire plus, alors que c'est un livre qui ne verra potentiellement pas le jour avant 2023, voire 2024. Je m'arrête ici donc et je vais prendre mon thé, mais surtout, je vais faire un unboxing avec vous. Je vais juste me déplacer plus loin parce que les paquets sont trop gros. Je vous retrouve tout de suite. En fait, je voulais filmer mon unboxing, mais j'ai tellement pas envie de le réveiller. Et c'est trop mignon qu'il reste à côté de moi comme ça. Donc j'avais un unboxing à faire, mais... Je vais attendre un petit peu. Vous, si vous faites ça, vous laissez vos animaux dormir. Trop mignon. Pourtant, lui, il me laisse pas dormir le matin. Un petit peu de mes lectures. Je me suis rendu compte que je ne vous avais pas donné mon avis sur Des meurtres qui font du bien de Kirsten Dunst. Je ne suis pas sûre de la prononciation. C'était donc ma lecture de la semaine dernière que j'ai réussi à terminer le week-end dernier. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette histoire puisque en fait j'étais partie pour ne pas aimer. Donc j'avais vraiment des a priori dans ce livre parce que je m'étais dit oui, un cozy mystery avec du développement personnel. Je pense que c'est vraiment un espèce de coup de bluff marketing et que ça fonctionnera pas. C'est très bizarre de mêler ces deux sujets. Je voyais pas où est-ce que ça pouvait nous mener. Donc j'ai parti vraiment avec des a priori.
Mais comme j'ai mon book talk de la team Thriller du Cherche Midi demain sur ce roman, il fallait bien que je le lise. Donc je me suis un petit peu forcée à le prendre. Et finalement, dès les premières pages, tous mes a priori sont tombés et je me suis clairement prise au jeu. Donc de cet avocat qui... Donc c'est l'histoire d'un avocat donc en Allemagne qui a la trentaine et qui défend des méchants. Voilà, son but c'est... Enfin son but non, son job, c'est de trouver des moyens légaux de défendre son client qui ne fait que des choses pas légales. C'est-à-dire que c'est un mafieux qui a un cartel de drogue, qui trafique des armes, des prostituées, enfin qui a tous les vices possibles. Et lui, c'est son avocat, du coup, qui doit le défendre et qui doit surtout lui trouver comment dériver en fait ses finances, comment blanchir son argent, etc. de manière légale. Voilà, donc en fait, c'est normal que ce personnage soit très stressé par son travail et par son quotidien. Donc, il fait appel à un coach de pleine conscience. Et ce coach va lui donner des clés pour gérer au mieux son stress. Sauf que ça va partir vraiment à un degré de gestion du stress assez extrême, puisque il va se retrouver dans des situations où il va prendre la main sur sa vie. En pleine conscience, mais je sais pas si ça spoil ou pas, mais en gros il va faire des choses mauvaises, mais il va les faire en pleine conscience, et du coup c'est très très drôle. La traduction est géniale parce que du coup j'ai vraiment rigolé alors que c'est traduit de l'allemand, donc on n'a rien perdu de l'humour du livre. Avant chaque chapitre, vous avez... En fait, les chapitres sont assez courts. Vous avez à chaque fois une petite phrase, par exemple percevoir sans juger. C'est une petite phrase en fait du coach qui va vous introduire le chapitre qui parle de ce sujet-là. J'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça original au possible. Je me suis vraiment prise au jeu. J'ai trouvé même que les conseils en coach et, du coach étaient vraiment pertinents. Je les ai certains bien notés dans ma mémoire pour les réutiliser pour moi de manière perso. Alors bien sûr, je ne vais tuer personne, mais voilà, c'est gestion du stress, de la, je sais pas moi, par exemple des tensions. On va avoir la pression du temps. On va avoir l'impertinence, voilà, plein de sujets. Et à chaque fois, tout ça s'est mêlé dans un micmac de rocambolesque, de règlement de compte entre gangs. Enfin, je vous le recommande vraiment. Et surtout si vous travaillez dans des entreprises ou avec où vous gérez du personnel, ce genre de choses, vous allez bien rigoler. Voilà. Donc, c'est pas un coup de cœur parce que, voilà, c'est pas un coup de cœur parce que le sujet ne s'y prête pas. Mais c'est une très très bonne lecture et je la recommande vivement. Voilà. Il y a Oscar qui prend sa douche là derrière. du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture que je lis en commun avec Kélia. Il s'agit de Kate Morton, Les Brumes de Riverton. Donc c'est un livre que j'avais acheté qui est paru chez Pocket, donc il y a assez longtemps en fait. J'ai envie de dire, il est paru en 2006 chez Presse de la Cité et en 2007 chez Pocket. Donc voilà, ça fait déjà plus de 10 ans hein, quand même. Donc voilà, c'est le premier tome, enfin le premier tome, non, le premier roman qu'a écrit Kate Morton, donc Les Brumes de Riverton. J'ai lu pour l'instant 80 pages, 88 pages exactement. Ici, on est vraiment sur des secrets de famille, du manoir. Il y a une référence à Daphné du Maurier. On est dans un espèce de retour passé-présent, donc avec une double temporalité, un mystère autour d'une grande famille. Il y a aussi la guerre qui se profile. Il y a des domestiques. Enfin voilà, dans une espèce de grande maison. On est en 1924. Voilà, c'est quand même la fin de la domesticité, mais il y a encore quand même des grandes familles qui ont l'héritage des grandes maisons. Et voilà. Et on va suivre donc notre personnage principal qui s'appelle... Comment elle s'appelle ? Grace Bradley. Je vous lis le résumé, ce sera peut-être plus simple. Été 1924, dans la propriété de Riverton. L'étoile montante de la poésie anglaise, Lord Robert Hunter, se donne la mort au bord d'un lac au cours d'une soirée. Dès lors, ses sœurs, Emmeline et Anna Hartford, seuls témoins de ce drame, ne sont plus adressées la parole. Selon la rumeur, l'une était sa fiancée et l'autre son amante. 1999.
Une jeune réalisatrice décide de faire un film autour de ce scandale et s'adresse au dernier témoin vivant, Grace Bradley, à l'époque domestique au château. Grace, s'est toujours efforcée d'oublier cette nuit-là, mais les fantômes du passé ne demandent qu'à se réveiller. Donc voilà, donc moi j'en suis vraiment au moment où en fait Grace, au début du roman, c'est une vieille dame et la réalisatrice vient la voir et lui dit qu'elle a besoin de son aide en fait pour valider son scénario et ses décors parce qu'elle écrit un film, elle écrit un film sur cet événement-là. Et Grace, qui a 98 ans, va se replonger dans ses souvenirs. Et en fait, on la retrouve donc adolescente à 14 ans quand elle rentre comme domestique dans la maison donc de Riverton. Et en fait, on fait un espèce de ping-pong passé-présent. C'est voilà, c'est très bien écrit, c'est très ambiance. Je trouve que ça va parfaitement dans l'ambiance de l'automne et tout ça, tout ce qui est grande maison, tout ce qui est manoir. Voilà, donc il est assez gros, il fait 700 pages je crois, ouais, 690 pages, donc il m'en reste encore 600 à lire. Je pense que cette lecture va me suivre toute la semaine, mais il n'est pas impossible que je fasse une pause pour lire autre chose ou que, voilà, j'attends une réception importante, donc je vous en reparlerai, mais pour l'instant c'est ma lecture et je compte bien l'avancer tout à l'heure. Tu nous quittes? Non? Tu t'installes différemment? Je vais la place de mon livre. Bref. Alors, du coup, j'ai également reçu un paquet et un gros paquet qui est là. Et donc, de quoi s'agit-il? Ouh! Il s'agit d'un cadeau de Noël. Oh, je sais ce que c'est. Ne serait-ce pas le dernier Karen Ponte? Parce que ce packaging de Noël, Love Love, ah j'adore. La texture est trop agréable. Parce que vous vous êtes embêté à emballer tous les services de presse comme ça. Bravo, bravo les éditions Fleuve. C'est un fond trop mignon. Le papier est trop beau. Dommage que je l'ai un petit peu défoncé, mais... Oui! Embarquement immédiat pour Noël. Donc chaque année, vous savez, j'adore les livres de Karen Ponte. J'adore. Excellent. Trop bien. C'est une trop bonne idée. Karen Ponte, Air Ticket, Noël, siège le meilleur. Date 13 octobre 2022. Embarquement immédiat. Trop bien. Et d'ailleurs, vous avez la reine de la comédie de Noël. Je suis assez d'accord parce que franchement... Karen Ponte, elle gère sur les comédies de Noël. Et c'est trop bien ça, j'adore. Bravo. Ah là là. J'ai une TV dédicace avec un sticker. Vraiment, Karen, elle est tellement colorée, pétillante et tout. J'adore. Alors, embarquement immédiat pour Noël. Pour Estelle, et toi, quelle est ta destination de rêve pour Noël, Karen? J'avoue que je sais pas. Alors, déjà, ça sort le 13 octobre, donc ça sort après-demain. Donc, quand vous aurez cette vidéo, ça sera sorti. Alors, les jumelles Carpentier sont aussi proches que différentes, et la période de Noël ne fait pas exception. La première ne rêve que de chalets sous la neige et de feux de cheminée, la seconde de sable fin et de cocktails rafraîchissants. Je sais pas de quel team je fais partie, hein. Aussi, quand leurs parents décident de leur offrir à chacune un voyage surprise, Margot et Maggie ont pour mission de boucler leur valise avec un seul indice, la garde-robe adéquate. Mais le jour du départ, elles découvrent avec horreur que l'agence de voyage a inversé leur billet. L'erreur est humaine, paraît-il. Margot, ses maillots de bain et robes légères s'envolent donc pour la Laponie, tandis que Maggie, bottes de neige aux pieds, débarque aux Seychelles. Et si la magie de Noël était capable de nous faire aimer l'impossible? Ah, c'est très drôle. C'est très drôle, tiens, bonne idée. Scénario drôle, couverture avec là des petits surbrillances de sapin. Très pétillante. Cool, ah, je suis contente. Ben, merci beaucoup à Fleuve et merci beaucoup à Karen. On est so ambiance Christmas. J'adore. Déjà hier, j'ai fait mon premier feu de cheminée. Sachant que je ne fais jamais de feu de cheminée. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait personnellement. Mais monsieur ne fait jamais de feu de cheminée.
Parce qu'il trouve que c'est trop long à faire, ça le saoule et tout. Mais je sais pas, hier il est arrivé avec des bûches, il était trop content, je voulais faire un feu de cheminée. Sachant que nous, chez nous, dehors, la journée il fait encore 25 degrés. Mais le soir il fait frais, il fait vraiment frais. C'était très agréable. Mais je ne m'y attendais pas. Voilà, donc je rentre doucement dans la période hivernale, mais alors très doucement. Mais c'est trop cool. Voilà, donc des bonnes lectures en perspective. Et puis un énorme colis, je vous le montrais hier, qui me vient de chez Daman. Alors je ne sais pas si il y a autant de thé que de volume de carton, mais si c'est le cas, je n'ai pas terminé d'en boire. Ah, et comme vous pouvez le remarquer, je n'ai toujours pas à réaccrocher mon tableau parce que je n'ai toujours pas acheté des machins pour coller. Alors, donc déjà c'est cool, c'est que sur le carton il y a écrit au crayon Estelle, c'est qu'ils ne se sont pas trompés. Donc c'est bien pour moi. Alors, déjà j'ai un petit mot. Estelle, n'ayant pas eu la joie de vous rencontrer lors de nos journées presse, oui, j'étais dégoûtée. J'étais invitée à une journée presse à Paris, j'ai pas pu y aller. J'ai le plaisir de vous partager notre calendrier de l'Avent 2022. Ouais! Et un extrait de notre collection de Noël, ainsi que le dossier de presse regroupant nos nouveautés. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi, nanani. C'est le calendrier de l'Avent de Daman! Trop bien! Mais alors, trop bien parce que. Ah, c'est pour ça le grand carton, ok. Alors, tout d'abord, on a un merveilleux écran qui doit présenter sûrement quelque chose. Ça ne s'ouvre comment ce truc? Ok, je vous montrerai un jour quand je l'aurai ouvert. Ah, ok, d'accord. C'est trop beau. Leur marketing, il est tellement beau. Thé d'origine. Oh, mais c'est beau. Ah, c'est des fiches de thé, en fait. Oh, c'est trop beau. Alors, les thés aromatisés. Les infusions aromatisées. Le maté. Je n'ai jamais goûté. Noël, la tête dans les étoiles. Ah, alors là, c'est la collection de Noël. Ok. Tac. Tac, tac. Eh, c'est beau, hein? Âme d'enfant. Alors ça, c'est le calendrier de l'Avent. Oh, c'est le calendrier de l'Avent. Il est trop beau. Sachet cristal. Tradition. C'est beau. Les boîtes de thé du Japon. Les théières. Consommation nomade. Ah, c'est des gourdes. Eh ben, mais alors quel marketing bravo Daman, parce que moi j'adore, je trouve que c'est toujours très intéressant et très inspirant de voir le marketing des autres. Oh là 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 là. Alors, il y a des choses qui se sont échappées. Alors déjà, j'ai du thé Christmas tea et tisane de Noël. Trop bien. Ensuite, Noël à Paris, Daman. Cette boîte est magnifique. C'est trop beau, qu'est-ce que c'est? C'est le sachet cristal. Thé noir aromatisé, pain d'épices, huile essentielle de gingembre, pétales de fleurs. Trop bon goût. Allez, maman! Je ne sais rien d'autre, mais c'est pas bon. Et donc, le calendrier! L'avant. Oh, il est vraiment beau. C'est beau cette couleur turquoise là. Allons nous réchauffer avec une bonne tasse de thé. Hein. Attends, ils ont scotché là. Et ça va être dur d'attendre un mois là. Un mois et demi. Oh. Wow. Il est vraiment beau. Oh, c'est beau. C'est trop beau. Je vais devoir attendre un mois et demi avant d'ouvrir. Oh là là, c'est trop dur. Mais c'est pas grave, je vais goûter ça alors. Ça avant et ça. C'est trop bien. Et il y a presque un code couleur cette année. Noël, il est turquoise ou quoi?
Trop trop bien. Bah, merci beaucoup Daman. Je vais ranger ce carton énormément. Quelque part loin. Et puis je vais aller me faire une tasse de thé. Noël à Paris. Comment ça se trouve ça? Tu sens la catastrophe? Ah non, c'est des sachets. C'est pas des. Pas du vrac. Oh, ça sent trop bon. Oh, ça sent bon. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, j'ai été gâtée, hein, comme d'hab. Je remercie beaucoup Daman. Merci, merci, merci. Je sais pas comment je vais patienter encore un mois et demi avant d'ouvrir ce calendrier de l'Avent. Mais en fait, on devrait avoir un pré-calendrier de l'Avent. Genre un calendrier de novembre pour tenir jusqu'à décembre. Ce serait pas mal. Voilà, bah, je vais aller me faire une tasse de thé. Je vais retourner travailler et ensuite je reprendrai ma lecture des Brumes de Riverton et je reviendrai plus tard vous parler. À plus. Hello, aujourd'hui on est mercredi et je crois que je ne vous ai pas encore parlé. Je viens de me faire piquer partout là par un moustique. C'est sympa. Bref, on s'en fiche. Je vous ai pas encore parlé aujourd'hui, j'ai pas pris le temps, là c'est la fin de journée, je sais pas si vous voyez l'heure mais il est bientôt 7h, bientôt 19h et j'ai mon book talk avec la team thriller du Cherche Midi, donc pour parler des meurtres zen. Donc je me suis un peu dépêchée, j'ai pris ma douche, j'ai enfilé un petit truc cosy pour être à l'aise. Mais voilà, sinon j'ai avancé un petit peu dans le Kate Morton, les Brumes de Riverton. Voilà, j'ai un petit peu avancé. Je suis presque à la partie 2, c'est-à-dire les 200 premières pages, parce que là je suis page 180. Et la partie 2 est donc page 200. Donc dans cette première partie, on va suivre une vieille dame. Qui, enfin, au début du roman, c'est une vieille dame qui, à qui on fait appel pour. J'ai déjà dit tout ça ? À qui on fait appel pour réaliser un film sur la disparition d'un poète qui se serait noyé dans un lac d'une grande maison. Et elle est donc une des dernières personnes vivantes à avoir vécu ces drames. Et donc on fait appel à elle pour qu'elle vérifie en fait que les décors correspondent, que le scénario corresponde, etc. Et on va suivre ses souvenirs. Donc on la retrouve, elle a 14 ans, on est en 1914. Elle rencontre pour la première fois les gens de la villa, elle rencontre pour la première fois la victime ainsi que les personnages qui vont graviter autour, notamment les enfants des aristocrates qui habitent dans cette maison, donc Riverton. Et en fait elle est le témoin un petit peu muet, un petit peu caché de leurs dialogues, de leurs échanges, de leur apprentissage et tout ça, parce que ce sont eux aussi des adolescents. Et elle, bah, en fait, elle, c'est une petite souris parce que c'est une domestique, parce qu'elle doit se rendre invisible, etc. Et je retrouve vraiment l'ambiance Downton Abbey. Vraiment, vraiment, elle a de l'eau étoffe, hein, le côté manoir, grande maison, domesticité, etc. C'est clairement, clairement là. Et il y a aussi bah, la Première Guerre mondiale qui distille doucement, doucement. Là, on vient de rentrer en guerre, donc... là où j'en suis, et les hommes de la maisonnée vont commencer à être appelés au front. Et on pense que cette guerre va durer 2-3 mois et que bah c'est plutôt cool, c'est plutôt joyeux. Donc voilà, on sait très bien ce qui leur attend, bien malheureusement. Et voilà, on s'attache à cette vieille dame. En même temps, on la suit dans son quotidien de personne âgée dans un EHPAD avec ben, son infirmière, sa fille qui vient la voir. On comprend qu'il y a aussi un mystère autour de elle, de sa vie, autour aussi de son petit-fils Marcus qui est auteur, qu'on ne connaît pas, qu'elle ne le voit pas souvent manifestement, mais il y a une histoire un petit peu derrière tout ça. Donc voilà, je continue mon histoire, je continue cette lecture et je vous en reparlerai très bientôt. En attendant, là j'ai reçu deux paquets mais je les ouvrirai demain. Il y a un qui vient de chez Muse et un qui vient de chez Pocket. Je pense que celui de chez Pocket c'est un partenariat donc que je fais avec Pocket pour une lecture. Donc ça ne sera pas dans ce carnet de bord mais ça sera une vidéo à part puisque c'est une lecture sponsorisée. Mais je pense que... Ah non, quand ce carnet de bord sortira, peut-être que la vidéo ne sera pas encore sortie. Mais je vous expliquerai tout ça donc dans une vidéo à part. Et puis de toute façon, je vous ferai quand même l'unboxing dans ce carnet de bord. Tant pis.
Voilà, bon, je vais essayer d'arrêter de me gratter toutes mes piqûres de moustiques là. Oui, il y a encore des moustiques dans le sud, il fait encore chaud. Je vais commencer à préparer à manger et je laisserai mon chéri terminer parce que du coup, mon book talk, ça commence à 19h. Donc, il me reste 20 minutes. Let's go! Aujourd'hui, on est jeudi et je viens de recevoir un colis. Je vous en ai parlé. J'ai fait une vidéo sur Paula Hawkins qui ne fera pas partie de ce carnet de bord, qui est une vidéo complètement à part. Et du coup, je viens de recevoir son dernier, Celle qui brûle, de chez Pocket. Et j'ai trop hâte de m'y mettre. Normalement, c'est ma prochaine lecture après le Kate Morton. Mais je voulais faire une mention spéciale à ces nouvelles éditions, là, ces nouvelles couves qu'ils font chez Pocket. Alors déjà, elles sont brillantes, elles sont pas mates. Et en plus, le dos, il est différent parce que maintenant, c'est tout noir pour les polars. Le logo, il est plus bleu. Et il n'y a plus la petite vignette, vous savez, couverture comme ça, là. Je vous montre. Tac. C'est un peu différent, moi je trouve ça cool. Bref, donc du coup, un nouveau dans ma pile à lire, c'est celui-ci que je compte du coup sortir très bientôt, je vous le disais. Et je vous en reparlerai pas beaucoup dans ce carnet de bord puisque je vais consacrer une vidéo entière à ce roman. Donc ça fait un peu redondant. Je vous invite à la regarder si elle est déjà sortie, sinon, eh bien, vous devriez encore un petit peu patienter. Bref, je suis pas venue pour vous dire ça, je suis venue pour faire un unboxing because j'ai reçu un paquet de chez Muse. J'ai reçu un paquet de chez Muse et bah, je ne sais pas ce que c'est. C'est une surprise. Surprise, surprise. Mais toutes les surprises de chez Muse sont agréables donc. Let's go. Ouh, ouh, ouh là là. Ouh là là, oh waouh! Putain, c'est beau ça. Et donc, ce sont de nouveaux sweets. Oh là là. En plus, dans mes favorite colors, qui sont le gris et le noir. Je suis pas très originale comme fille. J'avoue, je n'ai pas beaucoup de couleurs. À part de temps en temps le rouge, parce que j'adore le rouge, mais c'est quand même pas. Hey! Ah, il est trop beau. Donc, un nouveau sweet. Mais regardez ce dessin de lectrice. Il est trop classe. Il est très chic. C'est très moi. J'adore. Ah, il est trop beau. Noir comme ça. En plus, il a l'air plus souple que le noir Agatha Christie que j'avais porté toute la semaine. Là, en plus, je l'avais tout à l'heure. Je l'ai enlevé parce que je me suis mise un petit peu dehors. J'avais chaud. Il est trop beau en broderie blanc. Oh, trop classe. Attendez, je l'essaye. Il y en a un deuxième. Hein. Gris. Trop beau aussi. Non mais trop gâté. J'adore. Attendez, je me suis maquillée. Oh yes. Hey. Ta-na-na-na. Oh, il est trop beau. Ah, j'adore. Eh, hey, le logo, il est gros, c'est cool. C'est pas un petit truc. Est-ce que ça me va bien? Dites oui, ça me fait plaisir. Des fois, je dis ça à mon chéri. Dis oui parce que c'est mieux. Oh là là. So comfy pour l'automne. Alors, au niveau des tailles, vous êtes à chaque fois... vous venez me voir en message privé pour me demander pour les tailles. Ça, c'est un S. Mais c'est un S agréable. Je veux dire, c'est pas un S serré. Donc, si vous êtes entre XS et S... Faites attention, ça risque d'être grand. Si maintenant vous faites une taille, enfin vous voulez être à l'aise et tout ça, prenez votre taille. Si vous aimez être un peu plus ajusté, prenez une taille en dessous parce que souvent c'est un peu grand chez Muse. Donc voilà, moi je trouve que pour les sweats, c'est très bien d'avoir une taille, sa propre taille, parce qu'il faut être à l'aise. Mais voilà, si j'étais une personne qui oscille entre XS et S, ça serait un peu grand quoi. Ça serait un peu grand. Oh là là, j'adore. Noir, c'est noir. Et alors le deuxième. Alors, le deuxième, c'est ma couleur favorite. En plus, voilà, la petite mention. Et je crois que c'est mon préf. Franchement, cette texture et cette couleur.
Donc gris, hein, gris chiné, ok, et la mention, la vie est un roman. I love it. C'est le même, c'est la même texture, le même tissu que le gris que j'ai Muse Book Club. C'est vraiment la même texture et c'est le même tissu, hein, franchement, et c'est la même broderie. Donc hyper quali, le truc, je le passe machine et sèche-linge. Parce que en fait, j'aime bien le passer au sèche-linge. Alors, je vous déconseille pour pas que ça rétrécisse, mais si vous êtes un peu large comme moi, vous risquez pas grand-chose. J'aime bien en fait les passer au sèche-linge parce que ça les rend moelleux, enfin doudou. Voilà, c'était le conseil pressing du jour. Ah, il est trop beau. Ah, je l'adore. Ah, je les adore. Ils sont trop beaux. Ah, ils sont trop beaux. Là, en plus, on rentre dans l'automne, donc clairement, c'est ma tenue officielle de tous les jours. Voilà, je suis habillée comme ça, avec un leggings. Donc, voilà. Trop bien. Je vais essayer l'autre. Didi, c'est trop cool. Surtout que Angeline, du coup. Oh. Angeline, du coup, elle commence à connaître bien, bien mes goûts. Et là, elle vise grave juste. Enfin, oh, trop bien. J'adore. Oh là là, cette couleur. Is it ma couleur? Bien sûr que c'est ma couleur favorite. Oh là là, la vie est un roman. Mais oui, la vie est un roman, la vie est une aventure. Oh là là. Aïe. Sunny nanny. J'adore. Voilà. Oh là là. La vie est un. Bref, voilà, je suis fan. Je suis fan, ça se voit. Je vais arrêter de vous saouler avec mon fan club de Muse, bien entendu. Et de toute façon, vous retrouvez toutes les infos dans ma barre d'infos et tous les produits. Trop classe, trop qualitatif. D'Angeline. Bah, merci beaucoup à Muse, merci beaucoup Angeline pour ces surprises qui me font trop trop plaisir. Du coup, comme c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, on va dire que c'est un cadeau d'anniversaire. Mais comme ça vient des États-Unis, non, ça vient pas des États-Unis, ça, je crois que ça vient d'Europe. Mais la marque vient des États-Unis, donc on va dire que le temps que ça arrive jusqu'à chez moi, ça fait encore un peu mon anniversaire. Voilà. Bon, allez, j'arrête, je suis kitsch à souhait. Bye! Et je suis encore là. Du coup, en fait, j'avais un autre paquet que j'ai pas ouvert avec vous. Puisque du coup, je suis une tête en l'air. Alors, du coup, je me recoiffe first. Et j'ouvre ça. Et je pense que c'est la T-Box. Parce que ça a la forme d'une boîte à chaussures. Et du coup, comme j'ai pas commandé de chaussures, I think it's la T-Box. Voilà. Alors, déjà, je bois un thé. Ah, je bois le thé que m'a envoyé Élysiane. Il est froid. De Camargue, mais il faut que je le réchauffe. Alors, c'est la tea box. So much tea. Mais bon, après, j'en bois entre 3 et 5 par jour. Donc, ça va. Ouh! Japan style. Et non, j'ai pas encore enlevé mon pull Muse. Alors, là, c'est donc double dragon. Tadana, elle est très très belle. C'est très beau ces couleurs. Le rouge et l'or pour la Chine, bien sûr. C'est les couleur préférée des Chinois. Alors, l'histoire débute avec l'empereur Shenrong. Il y a plusieurs millénaires, assis sous un arbre à faire bouillir de l'eau, quelques feuilles s'échappent de l'arbre pour se retrouver dans l'eau. Shenrong en a bu une gorgée et apprécia le breuvage. Ainsi fut le thé. Sous les regards bienveillants et protecteurs du tigre et du dragon, l'histoire du thé se perpétue jusqu'à nos jours. Un savoir-faire ancestral, désormais réputé et apprécié à travers le monde. Dans cet écrin se cachent des trésors aux saveurs d'Orient, l'ongrine, thé au jasmin ou encore le thé blanc Baimudan. Une plongée dans les terres du thé, là où tout a commencé. L'illustration est de Clémence Trossevin. Ah, alors moi j'ai vécu à Shanghai, hein. Pour mes études en 2014. En 2014. Voilà. J'ai vécu 6 mois pour mes études. Donc
I know. Oh là là, some tiger here. Je vais tout faire tomber. Cahier des saveurs. Oula. Ah oui, c'est les nouveaux cahiers des saveurs là qui sont comme un journal. Il y avait déjà ça là, le mois dernier, je crois. Allure. Thé vert du dragon. Rose de thé. La passion retrouvée. Biscuit au sésame. J'adore les biscuits au sésame. Tac, 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 tac. Trop classe. Et là. Pause contemplative. Thé blanc de Chine. Dans votre coffret, les galettes au sarrasin. Tradition gourmande. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh là là, c'est beau. Nectar de thé, rose de thé, avec les tigres là. Classe. Ça, c'est quoi? Thé noir, pétale de rose. La base. Thé vert du dragon. Eh, c'est trop beau ça. Le packaging, il est trop classe. Thé vert du dragon, c'est thé de la pagode. Et là, c'est un thé vert Sencha bio, thé vert Shunmi bio, arôme naturel de pêche, poire, fraise et banane. Ça va être bon ça. Et ensuite on a un thé blanc de Chine. Maison Tellefer. Thé blanc de Chine, tout simplement. Donc là on a des petites fleurettes dorées. Très joli ça. Ensuite, on a une gamme d'Aman Golden. Alors, passion framboise. Voilà, tisane des merveilles et miss d'aman. Thé vert aromatisé, tisane aromatisée et carcadé aromatisé saveur. Je sais pas ce que c'est qu'un carcadé. Mais trop beau. Trop trop beau. Ensuite, ah le comptoir, la route des comptoirs, ça j'ai déjà acheté. J'avais même remporté un concours, j'avais une grosse boîte. La route des comptoirs, du coup, j'adore leur thé, super qualitatif. Donc j'ai un thé rouge. Coupe les mots aujourd'hui. C'est un thé noir rouge désir, un thé vert Shunmi et un thé vert trois agrumes. Et là, donc, on a Compagnie Coloniale, un Chine Extra, thé noir de Chine, un thé vert jasmin, la base de la base, et un Sencha Kalida. Et on m'appelle. C'est bon, Oscar? Après le téléphone, le chat qui gratte. Donc, je termine donc cette box avec des... Oui, on a compris. Des petits gâteaux. Je sais pas ce que c'est, petit sablé, là. Et des sous-tasses en feutre. C'est bon, Oscar? Et des sous-tasses en feutrine, comme ça. En lotus. C'est trop mignon. Il y en a trois. Trois nuances de vert. Très joli. Bref, on ne me laisse pas tranquille pour filmer. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais ranger this tea box. Boire mon thé qui est en train de refroidir. Et je vais terminer le montage de mon carnet de bord. Puisque aujourd'hui, on est jeudi. Il faut que je le charge cette nuit pour qu'il soit en ligne demain matin. Enfin non, j'ai pas obligé de le charger la nuit maintenant. Ça va tellement vite. Il faut que je le charge pour qu'il soit en ligne demain matin pour vous. Et il faut que j'aille laver ça. Et, parce que ça sent le neuf. J'aime pas trop. Donc, je vais aller laver mes trucs. Et je vous retrouve plus tard. Samedi, et comme vous l'avez vu ce matin, il y avait club de lecture avec mes papoteuses livresques. Donc c'est un club de lecture que nous avons dans notre Cultura, dans 06, et on se retrouve un petit peu tous les mois pour parler lecture. Je viens de m'installer avec un instantané à la cannelle de chez Starbucks dans le mug que m'avait offert Laura, papotage livresque du coup, l'année dernière je crois à Noël. C'est un mug très automnal avec des petites biches. Cet instantané est très bon. Bref, donc je vous retrouve aujourd'hui. J'ai tellement de trucs à vous dire. Déjà, on regardera mon t-shirt merveilleux. Don't fuck with me. I read thriller. Donc ne m'enquiquinez pas, je lis des thrillers. J'aime trop ce t-shirt, je le trouve très rock. Bref, donc de chez Muse, bien entendu.
Alors, déjà, j'ai un petit peu avancé ma lecture de Kate Morton, du coup je suis à la moitié. J'aime toujours, toujours autant, c'est tellement ambiance coloniale, ambiance, pas coloniale, n'importe quoi, ambiance Downton Abbey, manoir, là on a la guerre qui est ici, qui a éclaté, la relation domestique, le retour dans le passé, la double temporalité, les mystères, les secrets de famille, voilà, j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Je m'attache beaucoup au personnage principal, vraiment c'est une jeune fille qui est très attachante, qui est très humble, qui est très gentille. Et voilà, je l'aime beaucoup, cette petite Grace. J'ai hâte de les retrouver, ces personnages, donc je vais essayer de me dépêcher de lire, de filmer pour aller lire un maximum, parce qu'après ce soir, j'ai une soirée raclette à la maison avec des amis. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a mis la grande table, là, je sais pas si vous voyez, mais en gros, on a mis la rallonge et bref. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu et j'aimerais dans l'idéal le terminer demain. Il me reste 350 pages. Je sais pas trop si je vais y arriver. Au pire, je le finirai lundi et je conclurai le carnet de bord lundi. Ça m'aura pris une bonne semaine, mais bon, il fait 700 pages, donc voilà. Sinon, dans ma boîte aux lettres, j'avais un paquet. Un paquet doré, un paquet gold, qui me vient de chez Cherche Midi. Et on remarquera la petite. Un petit détail, un flocon. Donc je pense que c'est le nouveau tome des enquêtes d'Anna Svensson. Oui! C'est le tome de Noël! Trop bien. Meurtre et biscuit au sucre. J'aime trop, trop, trop. Oh, il est bien plus gros que les autres, non? J'ai un petit marque-page. Oh là là, le prochain, ça sera en janvier 2023. Meurtre et cheesecake aux cerises. Trop bien. Voilà, donc du coup, ben, un petit cozy mystery qui rejoint ma palle. Après, les pages sont épaisses hein, chez Cherche Midi. Puisque là, par exemple, il fait quand même 600 pages. Ah mais attendez, c'est un autre, il y a deux trucs dedans. Meurtre et biscuit au sucre. Il y a deux livres. Ah oui, il y a deux livres. Hein? Il y a deux romans. Il y a Meurtre et biscuit au sucre et Meurtre et cobbler aux pêches. Donc c'est tome 6 et 7. Pour les plus gourmands, une enquête bonus Meurtre et cobbler. Cobbler, je sais pas ce que c'est un cobbler. Aux pêches. C'est pas qu'une petite enquête en fait. Cobbler aux pêches, c'est plus gros que. Ça, c'est la partie biscuit au sucre et ça, c'est la partie cobbler aux pêches. En fait, c'est deux énormes tomes quoi. Bon, bah écoutez, au moins ça fait deux en un, j'ai envie de vous dire. Donc deux Cozy Mystery en un pour Noël chez Cherche Midi, les enquêtes d'Anna Svensson, notre pâtissière préférée du cookie jar. Et je me suis fait dévorer par les moustiques. Que j'ai très hâte de retrouver depuis le tome 5, j'avais beaucoup aimé. Donc, je suis trop contente, mais c'est cool que ce soit deux tomes en un. C'est plutôt généreux de la part de Cherche Midi d'avoir rassemblé deux tomes. Donc merci beaucoup à Benoît et à l'équipe de Cherche Midi. Je sais pas quand je le lirai parce que c'est un tome 6, mais si ça se passe à Noël, il y a. Ah, mais si, je crois que je le lis avec Florence en décembre. Elle m'en a parlé hier quand on parlait de nos plannings. Je crois que c'est ça. Voilà, donc ça c'était ma petite réception boîte aux lettres. Sinon, qui dit club lecture dit les copines dit cadeau et en même temps dit passage chez Cultura. Tout d'abord, donc India m'a offert pour mon anniversaire, parce qu'on s'était pas vu depuis, un roman donc à la conquête de sa liberté, La Duchesse d'York de Sarah Ferguson chez HarperCollins Poche. Je connaissais pas du tout. Voilà, je connaissais pas du tout, la couverture est victorienne, trop classe. Je connais pas Sarah Ferguson, la duchesse d'York, à la conquête de sa liberté. Londres, 1865. Dans un mariage, les sentiments n'ont pas leur place. Fille de duc, Lady Margaret a toujours su qu'elle devait faire honneur à sa famille avec une alliance aussi somptueuse qu'avantageuse. Lord Rufus est le candidat idéal aux yeux de toute l'aristocratie londonienne, mais elle ne voit en lui qu'un homme impassible et froid auprès duquel elle ne pourra jamais être heureuse. En dépit de toutes les convenances et juste avant l'annonce de ses fiançailles, elle fuit la salle de bal bondée, abandonnant derrière elle ses parents furieux et ses convives scandalisés.
Bannie mais libre, la jeune femme au tempérament rebelle et spontané décide alors de partir à la découverte d'elle-même, car depuis qu'elle n'est plus soumise aux responsabilités de son rang, elle ne souhaite qu'une chose, se défaire du carcan de la société qui ne lui laisse aucune place en tant que femme. De son Écosse natale aux États-Unis, Lady Margaret va arpenter le monde à la conquête de sa liberté. Je trouve que c'est très bien et que c'est très moi. Donc merci beaucoup India parce que je pense que ça va beaucoup me plaire. Je trouve que c'est très joli comme couverture en plus. Comme là, il y a des... J'ai vu des choses très sympas. Ça a l'air... Bon, ça a l'air un petit peu dense quand même. Je sais pas, la mise en page, elle est un peu particulière. Mais vu comme ça, mais si tu pages 2-3 pages plus loin, c'est passé un peu dense. Pourquoi pas, fait quand même plus de 500 pages, donc à suivre. Ça, c'est trop beau, ça. La jaquette comme ça, c'est trop joli. Avec un petit mot d'amour, bien sûr. Tac. Tac. Voilà, donc ça c'est un cadeau, merci beaucoup à India. Et ensuite, eh bien, je suis passée par la librairie et j'ai craqué sur trois choses. J'ai acheté trois livres. Trois, c'est mieux. J'ai acheté trois livres. Alors, un que je vais lire vite et qui est sans surprise et que je peux me trouver toutes les excuses du monde, c'est le tome 5 de Blackwater, du coup La Fortune, de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. J'ai lu le tome 4 au mois de septembre, donc du coup peut-être que j'arriverai à lire le tome 5 au mois d'octobre. Il m'en restera plus que deux tomes et la saga sera terminée. Mais c'est bien d'en lire un par mois parce que comme ça j'ai encore l'histoire un petit peu en tête. Je vous présente plus la saga Blackwater, vous l'avez vu, revu et revu 1 200 000 fois. Donc je vous la présente plus, mais juste, c'est une très bonne saga. Si le tome 1 vous a laissé mitigé, franchement, allez sur le tome 2 parce que ça va crescendo dans cette saga. J'aime beaucoup les personnages et la famille Casley. Donc voilà. Ça, c'est un achat, mais un achat prévu. Donc voilà. C'est là que les problèmes arrivent, deux achats non prévus, on m'appelle. Bref, deux achats complètement imprévus. Voilà, j'ai bugué, mais voilà, c'est le mot. Un livre que j'ai vu passer, je crois, chez Camille, de Camille Nounette. Une romance, oui c'est une romance, je crois que c'est de la New Romance de chez Hugo Poche, donc je lis beaucoup de romances en ce moment. J'étais partie pour prendre le tome 5 des McCoy qui vient de sortir avec le tome 6, mais comme j'ai pas lu le 4, je me suis dit non et tout, je l'ai reposé. Et en fait, bah, j'en ai pris un autre, donc c'est pas franchement mieux, hein. Clairement c'est pas une très bonne stratégie. Mais donc ici ça s'appelle Scottish Rhapsody de Delinda Dane. Le clan des Cameron n'était pas prêt pour l'arrivée d'Erin Wallace. Voilà. Et ça fait très automnal slash hivernal cosy, donc j'avais envie, la couverture me faisait très envie, même si c'est un jeune couple fort mignon, mais voilà. Donc en fait, le résumé avait l'air pas mal. Erin Wallace avait depuis longtemps oublié que l'Écosse coulait dans ses veines. Grandir à Londres auprès d'une mère anglaise ne l'a sans doute pas aidé à connaître ses racines. Mais en retournant dans son village natal pour l'enterrement de son grand-père, elle ne pensait pas se sentir aussi dépaysée. Les gens, l'accent, les coutumes, elle a tout oublié. Et ce n'est pas l'acclame Cameron qui risque de la mettre à l'aise. Pardon. L'héritier du clan des Cameron semble même la traiter avec un dédain particulier. Tu sens la romance. Il ne voit en elle qu'une opportuniste venue rafler son héritage avant de repartir chez l'ennemi. Qu'importe à Erin l'avis de cet inconnu, certes séduisant mais parfaitement désagréable. Ce qui est certain, c'est qu'il serait beaucoup plus facile de l'ignorer si, pour préserver le domaine de ses ancêtres, elle n'était pas contrainte de l'épouser. Voilà. Bref, c'est mignon, voilà, j'avais envie de ça. J'avais très envie d'un truc mini cosy comme ça. Il fait 400 pages, c'est de la romance, donc ça va être vite vu. Ça va être vite vu, bien vu. Et dire qu'elle croyait que les mariages arrangés appartenaient au passé. Alors, c'est très bien parce que je suis dans le thème du mariage en ce moment. Bref, ça c'était complètement influencé par Instagram parce que je l'ai vu passer et que, voilà, vous savez que j'aime bien l'ambiance écossaise, j'aime bien tout ça, donc j'ai craqué. Et enfin, un livre influencé par moi-même, c'est-à-dire que
100% sponsorisé par ma carte bleue et influencé par Petite Lectrice. C'est une autrice que j'admire beaucoup et ça, je pense que c'est son livre le plus personnel. C'est Goyarda Sapienza. Vous savez, c'est celle qui a écrit L'Art de la Joie, qui est un de mes livres préférés de tous les temps. Goyarda Sapienza, c'est une autrice qui a une vie complètement extraordinaire, mais dans le sens extrêmement torturé, très compliqué. Et ici, en fait, c'est le récit de ses années de démence. Donc, ça s'appelle Le fil de midi. Donc, c'est aux éditions Le Tripode. Et qu'y a-t-il qui fasse rire dans la nuit? Je vous lis le résumé, parce qu'en fait, c'est vraiment un récit personnel. C'est un récit, c'est pas un roman par contre, du coup c'est comme un essai. Alors que je n'ai pas eu de crise de folie, j'ai seulement essayé de mourir. Non, pas alors que. Alors, je n'ai pas eu de crise de folie, point d'interrogation, j'ai seulement essayé de mourir. En 1962, Goyarda Sapienza survit à une tentative de suicide. Rescapée, elle subit cependant une cure d'électrochoc censée la guérir de cette dépression. Elle n'en sortira que plus ravagée, au point de perdre la mémoire de la plus grande partie de ce qu'elle a vécu les 10 précédentes années. C'est alors qu'un jeune psychanalyste entreprend de la soigner. Le fil de midi est le récit de cette thérapie, de son échec. C'est une plongée dans le chaos intime de Goyarda Sapienza, un livre à l'image de ce qu'elle traverse à cette époque, fragmentaire, à fleur de peau, erratique. Bouleversant par sa fragilité, le texte témoigne de la lutte que mène l'auteur pour refonder un équilibre. Et c'est un chemin de vie qu'elle nous offre finalement, un long parcours de reconstruction qui s'ouvre sur l'horizon le plus vaste. L'année même de la parution de ce récit en Italie en 1969, ayant fait la paix avec elle-même, Goyarda Sapienza s'engage dans l'écriture de L'Art de la Joie. Donc ça vient avant L'Art de la Joie, c'est dans les années 60. Et voilà, et ça a été traduit de l'italien, c'est Il figlio di mezzogiorno. Ah oui, mezzogiorno, c'est midi, ok. Ouais. Voilà, donc ça n'a rien à voir, c'est quand même très intime, c'est un récit, c'est un peu torturé, voilà, c'est vraiment une autrice qui moi, m'a extrêmement touchée dans son histoire, des grandes lignes que j'ai pu en lire. Quand j'ai terminé L'Art de la Joie, je me suis dit, c'est pas possible, le personnage de Modesta dans L'Art de la Joie, donc son personnage principal, qui est mis en scène, c'est un personnage tellement intense. Que pour moi, ça transpirait la vérité de ce qu'écrivait l'autrice, c'est-à-dire que pour moi, c'était son miroir, c'était elle, Modesta, pardon. Et du coup, j'ai fait des recherches dans les grandes lignes, hein. J'ai fait Wikipédia, j'ai pas lu une biographie ou quoi que ce soit, sur sa vie et sur ses écrits, sur ce qu'elle a pu traverser. Elle a été en prison, enfin, il est arrivé plein de choses à cette femme, et je me suis dit, c'est une femme que je veux continuer de lire. Alors, j'en ai déjà des récits d'elle dans ma pile à lire. Mais c'est des romans, c'est pas des récits. Là, c'est quelque chose de très intime, je pense, très personnel. Elle a une écriture qui est ultra incisive, dure, très torturée. Mais voilà, j'avais envie de ça. C'est bien parce que c'est juste l'opposé de ça, hein, on est d'accord. Complètement torturé, un récit de vie un peu dépressif. Et ouais, une romance courrie d'avance en Écosse, waouh, love to love. Voilà, mais c'est ma personnalité, hein, vous savez, je lis de tout, je suis, voilà, je lis tout ça. C'est tout à fait moi, et je lis même des thrillers. Une lectrice très éclectique, on dira. Voilà, donc j'en ai fini pour vous présenter ces livres qui viennent rejoindre ma pile à lire qui clairement ne comprend plus ce qui lui arrive puisqu'elle a été privée, elle a été mise au régime, ma pile à lire, pendant 2 mois. Puisque juillet, août, j'ai rien acheté, j'ai tenu un no-buy. Et puis alors septembre, octobre, là c'est la débandade. C'est comme si tu passais d'un régime à un full raclette, quoi. C'est n'importe quoi. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vais aller lire, je vais essayer d'avancer mon Kate Morton. Et je vous retrouve plus tard. Qu'est-ce que t'as là? Une herbe. Hello! Aujourd'hui, j'ai affiché mon poster 50 livres à lire dans sa vie. Que m'ont offert mes copines du gang. Donc, du coup, je l'ai mis là dans ma chambre d'amis. Vous reconnaissez sûrement. Donc, c'est ça, je vous en ai parlé à mon anniversaire. C'est un poster, donc, comme ça.
50 livres à lire dans sa vie. Et on va ouvrir des cases. C'est parti. Alors, des cases que j'ai déjà lues, bien entendu. Alors, ça, j'ai déjà lu. Et à adorer, si vous n'avez jamais lu, ne tirez pas sur la zone au cœur de Harper Lee. Ah, bien sûr, j'ai déchiré. Très bien. Ça commence bien. Oh. Ah bah parfait, Estelle. Voilà. Du coup, je sais pas si je garde ça ouvert ou si je l'enlève complètement. Ah non, ça s'enlève complètement. Voilà. Ah, mais j'aurai pas le titre après. Ah si, ne tirez pas sur le zone au cœur. Oh, je sais pas quoi faire. Je l'enlève pas. Non, je l'enlève. Tac. Je l'ai lu celui-là. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ça, j'ai pas lu. L'étranger, j'ai lu. Confusion des sentiments, j'ai pas encore lu. Bon, je reviens. Voilà, donc j'ai enlevé tout ce que j'ai lu. Donc, il y en a 10. Donc ça, c'est Une chambre à soi. Ça, c'est Madame Bovary, Gatsby, Orgueil et préjugés, L'attrape-cœur, Les hauts de Hurlevent, Le deuxième sexe, Le journal d'Anne Frank, L'étranger et Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il y en a un que je suis pas sûre. Je pense que je l'ai lu. Je me rappelle plus. Mince, je viens de le voir. L'écume des jours, je sais pas si je l'ai lu, je crois que je l'ai lu à l'école, mais du coup si je me rappelle plus, ben autant le relire. Il y en a d'autres que j'ai déjà dans ma palle, donc qu'est-ce que j'ai déjà dans ma palle? Si c'est un homme, je l'ai pas lu et je l'ai dans ma palle. Crime et châtiment, ouais, c'est ça que j'ai cherché, que j'ai pas lu et que j'ai dans ma palle, et Frankenstein que j'ai pas lu et... Ah mais Le Petit Prince, je l'ai lu, je l'ai même lu plusieurs fois, ah bah j'ai pas enlevé lui. Frankenstein aussi que j'ai dans ma palle. Voilà, bref, je suis très contente, regardez-moi ce tableau. Donc j'en ai déjà lu 10 plus 1, 11 du coup, sur les 50, donc c'est pas mal quand même, hein, je suis contente. Voilà, bon bah écoutez, c'était tout, c'était pour vous faire un update poster d'anniversaire. À plus. Hello, aujourd'hui on est lundi et je vais en conclure ce carnet de bord avec mon avis sur ma dernière lecture. Je ne sais pas pourquoi j'enlève mes lunettes. Du coup, j'ai terminé le Kate Morton, Les Brumes de Riverton, que j'ai ici aux éditions Pocket, que j'ai adoré. C'était une histoire hyper intense. Je crois que j'en ai déjà parlé, donc je ne ferai pas de nouveau le récap. Mais c'est l'histoire d'une personnage de Grace, et Grace qui vit de nos jours et qui se souvient. Qui se souvient d'un drame, qui se souvient de sa vie en tant que domestique dans une grande maison, la maison de Riverton. Et en fait, on oscille entre ces flashbacks et la réalité, mais il y a beaucoup de flashbacks. Et j'ai trouvé que c'était un mix parfait entre Downton Abbey, La Villa aux Étoffes, Rebecca, Gatsby le Magnifique, voilà, des références comme ça que j'aime beaucoup sur les années, entre les années de Première Guerre et les années 20. Et ici, le récit, il oscille entre 1914 et 1924, principalement. Et c'est extrêmement touchant, le lien entre les personnages, l'amitié profonde, l'amour passionnel, voire tragique. Et il y a plein de réflexions aussi politiques qui sont intéressantes sur la société à ce moment-là. Et j'ai juste noté un passage sur les guerres que je vais essayer de vous lire, que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il est très actuel. Donc, quand on considère les guerres, l'histoire paraît simple, à tort. Les guerres livrent des dates clés, des tournants décisifs, des clivages nets entre le avant et après, entre gagnants et perdants, bien et mal, juste et injuste. Mais l'histoire, la vraie, le passé n'est pas comme cela. L'histoire n'est pas plate, linéaire. Elle n'a pas de contours précis. Elle est insaisissable, elle vous fuit entre les doigts comme un liquide. Elle est infinie, inconnaissable, comme l'espace.
et modifiable aussi. À peine croit-on distinguer une logique que déjà l'angle d'approche change. Quelqu'un propose une autre version des choses et les souvenirs enfouis ressurgissent. Voilà, c'est très beau. C'est très beau et très vrai. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, ben, on peut dire qu'effectivement, l'histoire nous rattrape et les guerres sont... c'est pas manichéen, c'est pas toujours les gentils et les méchants, tout dépend du point de vue et de l'angle sur lequel on se base pour regarder ça. Donc bref, un merveilleux livre, génial, et pourtant c'était son premier à Kate Morton, Les Brumes de Riverton. J'avais lu L'Enfant du Lac et j'avais adoré. Je pense que L'Enfant du Lac est plus qualitatif au niveau ambiance, puisque j'avais trouvé que l'ambiance était plus pesante, plus angoissante. Là j'ai pas trouvé que c'était angoissant du tout, pourtant ça se passe dans une maisonnée, il y a quand même un drame et autres. Par contre, j'ai trouvé que ce qui était intéressant, c'était les nombreux clins d'œil. Il y a notamment Agatha Christie qui fait une apparition. Il y a de nombreux clins d'œil à Daphné du Maurier, notamment un personnage qui s'appelle Rebecca à l'intérieur. Voilà, j'ai trouvé que c'était des références qui me touchaient beaucoup. Il y a aussi Sherlock Holmes qui est là. Enfin, qui est là. C'est pas un personnage du livre, mais il y a des clins d'œil à Sherlock Holmes. Et Conan Doyle, enfin, voilà. Bref, donc une très très bonne lecture que j'ai lue avec Kélia. C'était un pavé de 700 pages que j'ai mis une semaine à lire, mais ça allait valer largement, c'était très très bien. Et j'ai déjà hâte de lire d'autres Kate Morton. Par contre, je pense que je ferai une petite pause entre, parce que j'ai l'impression quand même que ça se ressemble d'un Kate Morton à l'autre. Mais j'en ai déjà deux autres hein, dans ma pile à lire. J'ai les souvenirs, la scène des souvenirs, qui est sur la Seconde Guerre mondiale. Et le jardin des secrets. Jardin des secrets ? Je ne sais plus. Bref, j'en ai déjà deux autres d'avance. Donc, je vous le recommande sincèrement. Foncez si vous aimez les ambiances. Downton Abbey, Daphné du Maurier et Anne Jacob. Voilà, vraiment, allez-y. Mais par contre, ne les lisez pas trop près de... Par exemple, si vous avez lu La Villa aux étoffes, le même mois, ne lisez pas ça parce que ça se ressent beaucoup, donc du coup ça pourrait paraître un peu redondant, mais si vous aimez cette ambiance, foncez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour conclure ce carnet de bord. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez noté plein de lectures. Moi je vous laisse ici, je démarre un nouveau carnet de bord, une nouvelle lecture en ce lundi. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao.